Bongo Avenir. Mboka Yabango. Chef Foul. On est
Je suis venu à la maison de 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 la maison
Je vais vous donner un peu de temps.
c'est bien. Nani ya kumbe hiki? Kutuwa kwenye kia bana na hiki malenda hiki suwa mda kwa beti kasi. Kwa beti hivini? Bana hiki? Bana hiki. Bana hiki? Ya mama hiki? Nao bandula na michu. Maintenant, pourquoi vous la confondez avec les enfants en conflit avec la loi? Vous avez instruit au dernier conseil des ministres de pouvoir veiller au désengorgement des cachots, surtout concernant l'incarcération des mineurs. Ça va. Donc, vous allez me faire rapidement un rapport sur. Sur les mineurs en conflit avec la loi, mais pour des faits bénins. Donc il y a des faits graves, mais aussi il y a des faits bénins. Ça va ? Regardez des faits bénins, ceux qui peuvent regagner, rejoindre leur famille, les libérer. Ok ? Donc c'est les travaux et les instructions que nous avons reçues du magistrat suprême. Nous sommes là pour y veiller. C'est de manière ferme. Alors, à votre niveau, évidemment, il faut toujours apprécier l'État. Okay. Parce qu'en fait, en réalité, un enfant comme ça n'a pas choisi de se retrouver dans la rue. Ça aurait pu être toi, ça aurait pu être moi. Et le rôle de l'État, de l'enfant, de pouvoir au minimum veiller à son encadrement. Je pense que son rêve aurait aussi été d'être une grande dame, d'aller à l'école, d'être dans une famille. Okay. Donc, et nous ne devons pas afficher de l'insouciance vis-à-vis des enfants. Parce qu'en réalité, dans tous les cas de figure, ils ne choisissent pas la situation. Des précarités, parfois des vagabondages, ouais, dans laquelle ils se retrouvent. Donc nous devons maintenant humaniser. C'est ça le cheval de bataille que le gouvernement nous a dicté d'opérer. Donc nous devons y travailler fermement. Ça va. Okay. Alors rapidement, vous me faites un état, vous allez faire un travail technique rapide que tous les enfants mineurs demain matin puissent regagner. Donc vous appelez leur nom, mon colonel, vous me faites un rapport demain matin, cas par cas. Vous isolez des cas graves, okay. Vous nous faites rapport, nous allons envisager dans quelle mesure nous pouvons plutôt les mettre en situation de réinsertion. Merci. Nous ferons rapport au gouvernement. Les recommandations seront données. Nous allons dicter par donc l'INO ne vous a pas, mais il faut vous prendre. Yotanga aussi. Vous en avez classe. On a 8. Mikolo qui est des classes T. Oui, mais ces cas, par exemple, ce genre de cas, si elle a une famille, elle est encore jeune, on va la libérer. Mais jusque-là, ses parents ne se présentent pas depuis qu'on est arrivé ici. Oui, mais il faut appeler. On va pas nous avoir. Il faut l'appeler, il faut regarder. Tant qu'il n'y a pas eu mort d'homme, si c'était des faits bénins, c'est un enfant. Vous comprenez. Donc vous regardez, vous le dites rapidement. Demain matin, vous m'appelez un enfant. Aller les libérer, mais avec surveillance. Vous devez les coordonner, vous regardez sa maison, ses traces, ses parents, et on s'essuie. En fait, on renforce tellement les mécanismes dans la lutte contre le banditisme urbain que ne vous en faites pas. Le chef de l'État nous a instruit pour pouvoir
lutter drastiquement contre les banditismes urbains. Et nous y travaillons. Vous n'allez plus entendre parler des phénomènes qu'on a ici dans la ville. Nous y travaillons, nous sommes en train de mettre en place un mécanisme, n'est-ce pas? Oui. Des luttes contre ce phénomène de banditisme urbain. Okay. Mais en même temps, cela n'exclut pas que nous puissions veiller à humaniser. À humaniser les cachots, les amigos et même les prisons. Ok? Donc faites-moi rapidement un travail du genre. Mettez-vous, à chaque fois que vous appréhendez un enfant, de moins évidemment 18 ans, il faut juste vous poser des questions. Et si c'était vous? Et si c'était votre enfant? Et si vous vous étiez décédé et que votre enfant aussi s'est retrouvé? Parce que ça peut nous arriver de tout ça, à n'importe quel moment. Ok? Donc vous lui donnez la chance, encore la chance. Rappelez-vous combien de fois vos propres enfants n'ont pas succombé dans nos maisons, dans vos maisons. Et à chaque fois, vous pardonnez Azana ni Azana nous. Voilà. Bolimbi, ça comprend Azana nous. Voilà. Donc, cela évidemment nécessite un encadrement. Et c'est le rôle de l'État. Donc, un enfant en conflit avec la loi, on les rééduque, on l'encadre. On ne les met pas dans des conditions de cette nature. Parce qu'évidemment, quand vous l'appréhendez, vous les mettez dans ces conditions, en fait, vous bousillez l'avenir de cet enfant. Pourtant, parmi ces enfants, il y a certainement des futurs ministres. Vous voyez, imaginez certainement que si j'étais appréhendé aussi à bas âge, et qu'on m'avait privé d'aller à l'école, je ne serais pas aujourd'hui ministre de la Justice. Faites vite ce travail-là et puis vous désengorgez ça de manière systématique. Ça va? Ça va? Responsable et puis parti. Merci beaucoup. Ça va? Ok, faites ça. Ongo Avenir. Okay, Yabako.